Everybody, hello. Malgré que j'ai fait des vidéos complètement en retard, qu'il y a des vidéos qui ne sont même pas encore sorties, qui peut-être ne sortiront jamais, je fais un mini pré-trou sur un jeu que j'ai vraiment aimé sur le Xbox Live Arcade. Je crois qu'il était sorti au début, puis après il est sorti sur le Xbox Live. Non, c'était sur le Xbox Live Arcade. Je confonds avec l'Indie. Mais c'est l'arcade, c'est Toad Soldier. C'est un Tower Defense. Et franchement, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Bon, peut-être pas si, il est pas si, comment dire, si difficile que ça. Mais voilà. Et que vous dites comment je l'ai eu? En fait, Xbox France offrait pour faire une pub 13 000 clés Xbox Game Pass pendant un mois. Enfin, un abonnement d'un mois, et j'en ai récupéré un, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de jeux, bon, il y a quand même pas mal de merde, mais il y a quand même pas mal de jeux à tester. Il y a Fallout 4, il y a The Division, des jeux qui ne m'intéressent pas du tout pour le moment, et que j'ai sur d'autres plateformes, donc ça me sert à rien de tester ça, mais je me suis dit, oh, il y a Toy Soldier, Toy Soldier, Toy Soldiers, et franchement, c'est génial, c'est un petit tower defense. Je le conseille. On va faire la campagne. On va se mettre normal. Parce qu'on n'avait pas été sauvegardé dans le classement Xbox Live. Quand vous êtes en ligne. On va pas faire la mission d'entraînement. Signal enemy to gas. La grande guerre éclate. 28 juin 1914. L'Allemagne déclare la guerre à la Russie, mobilisation générale en France. L'Autriche envahit la Serbie. L'Allemagne compte attaquer la France en traversant la Belgique neutre. C'est un petit tour de défense avec comme thème de fond la Première Guerre mondiale. Je vais pas passer le truc. Là, on est en Nord-Ypres. En Nord-Est-Ypres, on est en Belgique là. Mais bon, c'est juste du texte. Hein. Et ça se joue un peu comme ça. Bien sûr, j'ai de la merde. On va mettre. Et on peut même piloter le truc, hein. Regarde, on peut piloter le truc. Et enfin bon, les soldats ennemis doivent aller chez nous. Enfin, les soldats ennemis doivent aller à l'intérieur de notre base. Et nos soldats à l'intérieur de leur base. Allez, on se met. On va sortir parce que. C'est la première mission, hein. C'est normal, c'est facile. On va mettre deux mortiers et une mitrailleuse. On envoie la deuxième vague. Je pense qu'il y a des fois, il y a des petits tanks, des petits avions qu'on peut piloter. Mais on peut pas entrer dans la base ennemie avec. C'est les petits soldats qui peuvent faire ça. Et il y a certaines unités ennemies, parce qu'il n'y a pas que des soldats, enfin des tanks, des avions, qui pourront détruire nos tourelles.
vais te l'améliorer après. Une fois qu'elle sera prête. Je vais t'aller. Je vois qu'elle fait pas beaucoup de dégâts, notre tourelle. Allez, dépêche-toi. Voilà. Je me souviens plus comment ça se passe. Je l'avais tryhard. Piloter un peu ça. Allez, non. Si, non, peut-être. Explosive imminent. Je suis trop fort. C'est quoi ça? C'est en train de bourrer là. On va la prochaine vague. On va le débarbeler pour que ça les ralentisse un peu. Pop. C'est un train. C'est un train qui passe.
pas passer. Finish. Vous voyez, c'est sympa, ça peut être pas... C'est un jeu qui demande pas beaucoup de réflexion. C'est vrai que vers la fin, c'est un peu plus relevé. Voilà, je veux pas faire une vidéo, une mission, parce que sinon ça va prendre quand même du temps à monter et à reposter. Donc ça va être chiant. Donc on va voir si les missions sont courtes ou si les missions sont longues. Je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que le jeu, je l'avais tryhard. Donc après, j'ai plus envie de revenir sur le jeu. Et là, j'ai vu qu'il était dans le Game Pass et qu'il y a la suite sur la guerre froide qui est sortie. Voilà. Non, je crois que c'est juste se défendre. Attaquer, j'ai dit une connerie tantôt. Attaquer, c'est quand on joue à deux. Est-ce que ça marche? Sniper. Faut détruire ce truc qui est con là. Merde. On va vite améliorer ce truc. Mec, ça passe. Ah,
Merde, y'a plus de soldats qui est passé. Je sais pas ce que j'ai entendu. Pom pom. Merde, ça passe. Je sais pas viser. C'est l'avant-dernière vague. Oh.
Eh ben ça finish. On a gagné, on a win. Good captain. Allez, on a fait une petite journée pour la route. C'est sympa. Après, je sais pas, à regarder si c'est sympa, mais à jouer, franchement, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Je vous le conseille. Je sais pas combien il est sur Steam. Jamais fait attention. Il paraît que la suite est très pas. Elle va dire pas mauvaise, mais. Ça n'égale pas à ce jeu-là. Ok. On va faire ça. Ça. Ensuite, ça. On aura du fric, on fera le tour. Go, go, go. Okay.
Pas grave. Encore maintenant, ça, ça, on met 200. On va quand même mettre un truc de sécurité là. Avec toute l'artillerie qu'on a, ça devrait passer. Thank you.
y passera. Hein. Il va passer. C'est pas grave. On va améliorer ça. C'est un boss. Allez les canons. Ça n'est même pas encore mis de live. J'arriverai pas. Ah.
Bah voilà, ah merde, j'ai mis sur cliquer, réessayer le niveau. Mais voilà, vous avez vu à peu près. Bon, on va essayer de tous les faire. C'est vrai que c'était chaud. Il va falloir que je refasse mieux. Allez, je vous dis à la prochaine.